Bonjour, bonjour. Je dois parler à certains d'entre vous. Il y a une reine qui m'a envoyé un message hier ou avant-hier, je pense. Bon, elle me dit ceci dans le message. Elle m'envoie une capture d'écran d'un direct que j'ai fait. Ça fait quelques semaines. Elle me dit que c'est son mari qui lui a envoyé la capture d'écran de ce direct. Et dans ce direct, je parlais avec elle. Donc elle est venue, non? Pendant que je la consultais, j'ai donc fait le direct, j'ai expliqué sa situation. Bien sûr, elle expliquait que son mari ne lui donne rien, il ne fait rien. En fait, les mêmes trains là. Imagine, tu vis à la maison avec quelqu'un et tu découvres que il connaît que tu fais certaines choses. Et déjà, ça fait quelque temps que ça ne va même pas entre vous. Et elle me dit qu'il lui a dit, il n'a rien dit après. Donc, genre, il a fait genre, je connais que tu pars chez les marabouts. Après, il n'a plus rien dit. Donc, elle était désemparée. Vous devez comprendre quelque chose. Maintenant que vous avez commencé à vous réveiller, vos problèmes n'ont même pas encore commencé. Il y a les gens qui sont heureux quand vous êtes dans le noir. Il y a certaines belles familles qui vous manipulent depuis que vous avez fait vos 15 ans de mariage. Il y a certaines belles mères qui viennent là. Oh, ma fille, tu sais que je suis ta mère, tu sais. Ta mère est morte depuis, mais je suis devenue ta mère. Après, tu dis, ouais, pourquoi la mère, elle n'est même pas comme sa fille? Ma chérie, tu n'es pas sa fille. Elle sait qu'à travers toi, tu peux payer les choses pour sa propre fille. Elle sait qu'à travers toi, quand l'argent que son fils gagne là, il va tout leur donner. Riposte un peu un jour, tu commences à te fâcher que, mais chérie, tout l'argent qu'on gagne, ça part de l'autre côté, ça part là-bas, ça part là-bas. Tu vas confirmer le code. Soit c'est ta propre famille qui va se liguer contre toi. Tu commences à te laver avec le sel, tu commences à lire sur ta famille. Tu sais, le roi James, hein, suivre Christ. Christ, c'est toi, à l'intérieur de toi, qui te réveille. Christ, c'est le roi en toi, qui découvre qu'il est roi. Et il dit, mais attends, donc je suis roi. Certains parmi vous, vous n'avez même pas encore... Si votre esprit est faible, vous allez lire là. Donc vous pensez que l'affaire est facile.
pensez que c'est facile. On va vous attaquer. On va vous attaquer. Vous allez rester comme ça là. Aïe. Soit c'est tes patrons. On va commencer à mal parler de toi au boulot. Tu restes là, tu wanda que mais. Je fais seulement mon petit boulot qu'on m'a demandé de faire ici. Pourquoi est-ce que vous êtes fâché avec moi? I'm just minding my business. Waouh, regardez, c'est comme des petits arbres. Oh my. La nature est merveilleuse. Regardez ça. C'est comme des arbres à l'envers. Regardez. Waouh. Vous voyez ça? C'est comme des arbres à l'envers. What? Regardez celui-ci. Regardez. Wow. Nope. Vous allez, certains d'entre vous, vous allez être forcés de sortir, on appelle ça la matrix, de sortir de la matrix, c'est-à-dire, tu as ton petit boulot, ton petit mari, avec son petit zizi, il a son petit boulot, vous avez de petits enfants, personne qui est à l'intérieur de vous, quand elle va commencer à s'ouvrir, quand elle va commencer à se réveiller, vous allez attirer, bah, d'abord, même votre famille n'aime pas que vous soyez confiant. Hein. Votre famille n'aime pas que vous soyez confiant. Genre, pourquoi est-ce qu'elle lance sa propre activité? Ah, ça veut dire qu'elle peut devenir millionnaire. Pourquoi est-ce qu'elle nous parle maintenant de millions d'euros? Mais on était à l'aise quand elle nous parlait de 1500 euros le mois. Pourquoi est-ce qu'elle commence à nous parler de... Il y a des gens qui sont à l'aise quand vous êtes dans votre petitesse. Et là, vous avez commencé à vous réveiller. Ne pensez pas que ça va plaire à tout le monde. Je dois vous dire ça en avance. Parce que vous voulez faire les simpletons. Moi, mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Donc maintenant, tu dis que tu veux créer ta propre marque de... Tu veux créer ta propre marque. Mais attends, non, il faut qu'on la bloque. On doit la bloquer. Pourquoi est-ce qu'elle nous dit qu'elle veut... Elle veut avoir des villas. Des villas en plein Paris. Des magasins en plein Paris. Non, 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 non. On doit la bloquer. Le petit mari que tu avais épousé là, c'est d'abord ton premier Decepticon. C'était parmi vous, vous êtes dans des prisons mentales avec vos maris. Avant, il était ton tout. Avant, tu n'attendais que son A pour vivre. Tu attendais qu'il te donne l'air. Il fallait qu'il prenne l'air comme ça. Là, le jour, il est gentil. Il prend un peu d'air, il met dans ta bouche. Tu respires. Ah, 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 ah. Tu dis merci pour l'air. Aujourd'hui, ma chérie, même 2 mois, tu n'attends pas son air. Ces petites miettes qu'il te donnait là, tu ne les mets pas dedans. Il rentre, il voit que tu as fait, tu as fait, tu as fait. Une reine m'a demandé, elle me dit l'autre jour, wow, j'avais prévu d'aménager avec mon chéri. Vous savez, souvent vos prières sont petites, souvent vous avez les petites prières malheureusement. Donc sa prière à elle, depuis des années, c'était d'aménager avec ce chéri-ci. Donc voilà, finalement il dit ok, il donne le feu vert, il trouve une maison, une grande maison en plein Paris.
dans leur arrangement, elle s'avance dans la maison. Et en prenant la maison, c'est lui qui doit supporter les charges, la grande partie des charges. Elle vient faire son travail spirituel. Elle rentre. Oh. Le mari, le gars, il ne vient plus. Et elle commence à s'affoler, elle s'agite. Oh non, moi je voulais qu'il vienne, moi je voulais qu'il vienne, que ma chérie. Maybe that man was too small for you. Peut-être, considère seulement l'option. I'm just saying, you know, I'm just saying. Jésus, Gisela, c'est vous qui appelez déjà à 6h. Tu m'appelles à 6h51. Donc je n'ai pas aussi de vie. Oh. M'envoyer les messages à 6h. Donc, il n'y a pas de vie. Vous avez vos urgences. Moi aussi, j'ai ma part d'urgence. J'ai fait des lavages hier, là. C'était tellement puissant que... Je n'ai pas pu... J'ai fini le travail hier à 16h30. J'ai dit à la dame que... Même si le loyer c'est 5000 euros, hein. Je vous dis tous les jours sur cette page, c'est là que vos revenus vont augmenter. Et on parle d'énergie. Et je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là. Je ne raconte pas les choses pour avoir les vues. Je vous dis ce que l'esprit dit et qui est. Tu peux payer ce loyer-là. Certains parmi vous, vous n'avez pas eu le choix. La vie vous a forcé. Tu t'es retrouvé dans un foyer où. Le monsieur était tellement... Parfois, il ramène même l'autre femme là. Tu connais que c'est elle là-bas dehors. Tu la connais. Ça fait même 2 ans que vous ne dormez plus dans la même chambre. Que vous ne couchez fini entre vous deux. Ça peine si tu donnes l'argent pour les enfants. Une dame est venue un jour chez moi là-bas. Elle me dit que ça fait 5 ans. Que son mari ne l'a pas touché. La femme d'un grand type, hein. Un grand type, il est un grand don. Quand elle m'a dit que je suis la femme de tel monsieur, j'ai dit, hé, hey, mamie. Oh. Il avait même déjà ses petites dehors depuis longtemps. Donc il faisait ces choses. Comme on dit que j'ai l'argent depuis longtemps. Il faisait ça depuis longtemps. Il a négligé dans la matière. Un petit a récupéré la matière. Quand il a découvert, hey, Bétaï chassait même la femme de la maison. Parce que le genre de vie qu'elle vit, elle vit depuis 5 ans là, c'est grave. Il a destitué de ses fonctions dans son entreprise. Maman, le soleil, c'est là. Je suis en train de prendre un bain de soleil. Vous voyez ça. Imagine, tu avais un salaire stable, sans compter les avantages de service, de 500 à 700 000 le mois. Du jour au lendemain. Il coupe tes vivres. Il coupe tout. Tu n'as plus rien. Viens, viens, viens. On va manger ton truc là. Viens avec ça. Chaque jour à la maison, il lui répète ses fautes. Souvent, il reste aussi dit aux enfants. Allez demander à votre mère ce qu'elle a fait. Allez demander à votre mère ce qu'elle a fait. Bonjour. C'est les arachides ou c'est quoi? Le pistache. Oui, donne-moi, il mange. Merci. Les enfants restent comme ça là. Et puis, non. Et ça là, c'est quoi? Les arachides. Oui, je veux les arachides. C'est les arachides qui me plaisent. Merci, le roi Wafo. Vous allez seulement attendre et manger. Allez, mets ça ici. Voilà. Ta mère a fait où c'est toi?
il y a dedans. Il y avait le pistache foutu là. Tu as de ta main. Dis-moi pistache. Voilà. Ça va combien? Comme ça, c'est bon. Bonjour. Devant quoi j'ai acheté ce match? Give me two of this one, I'll go with the dollar. Like that, don't open it. Voici les faux trucs que moi j'aime. Le pistache. Les arachides. Give me 200. Thank you. Bye bye. Voilà. C'est vrai, vrai, l'habitude des ancêtres. Vous êtes en bain, non? Vous aimez un bain, non? Chacun aime sa part. Je reviens dans les toliers, attendez, demande à mon Dieu. Sylvia, tu veux venir se la mettre le manquant sur ma nourriture? Voilà ça dans la feuille. De goût de chat. Tandis, et puis mon deuxième manioc. Ah, tu es chat. Merci. Et puis mon deuxième manioc. Les menguistes là, vous êtes jaloux, hein? Non. Je vais envoyer dans l'eau, ne t'inquiète pas, le roi Wafo. Comme tu me connais.
On va partir un peu à l'eau donnée. Je crois que j'aime bien les arachides aussi. La France c'est pourri. Tu veux quoi en France? Quand tu n'aimes pas quelque chose, faut pas rester là-bas parce que la chose là va te rejeter. C'est ça que vous êtes avec les maris à la maison que vous n'aimez pas. Vous êtes avec les femmes que vous n'aimez pas. Allez-y maintenant, appelez vos ancêtres là. Voilà, nous disons merci. Merci de m'avoir amené ici. Merci pour chaque vie qui regarde cette vidéo. Je vous remercie les ancêtres pour votre protection. Nous demandons la direction pour cette journée. Demandons l'abondance. Pour ceux qui vont aller à l'eau aujourd'hui pour faire leurs sacrifices et leurs offrandes, que ça se passe bien. Demandons aussi la force et l'abondance. Il est temps que vous commencez à vivre votre vie vraie. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous êtes influencés par d'autres personnes. C'est comme si vous n'avez même pas le choix. En fait, vous pensez que vous n'avez pas le choix. Je vous dis que vous vous trompez.